Sœur Claire, c'est le 15e dimanche après la Pentecôte, ordinaire, pardon. Et c'est la parabole du semeur qui nous est proposée par l'Église. Voilà, alors je voudrais d'abord dire quelques mots des paraboles, justement, qui est un genre littéraire ou plutôt un genre oral très connu dans la tradition rabbinique et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas caractérisé par des petites histoires pour les enfants du caté avec des fleurs, des petits oiseaux qui chantent. La parabole, c'est extrêmement précis, hein, et il faut commencer par expliquer le mot à partir du grec. Parce que, enfin, je parle de parabole puisqu'il s'agit d'une parabole et qu'il est dit dans l'évangile de donc, dimanche prochain, Matthieu 13, 1, 23, il est dit que Jésus leur dit beaucoup de choses en parabole. Alors, donc le mot grec parabole vient du verbe lancer, mais pas lancer n'importe comment. Par exemple, tirer une flèche. Lancer quelque chose qui va suivre une trajectoire précise. Et para, ça veut dire mettre à côté. Donc une parabole, c'est deux trajectoires qu'on met à côté pour les comparer. C'est une comparaison, mais avec une dynamique d'une trajectoire, avec un début et une fin. En ce qui concerne donc les paraboles dans l'évangile ou dans la tradition rabbinique, il faut bien comprendre qu'elles supposent la foi pour les comprendre. C'est sûr que si on ne les comprend pas, c'est des petites histoires sympas, point final. Si on les comprend, ça nous aide à entrer dans le mystère du royaume. Alors, les deux trajectoires, ça veut dire ici, par exemple, on va prendre la semence qui est semée et qui va porter du fruit, la semence concrète du semeur, et puis en parallèle, il va y avoir la parole de Dieu. Il faut bien savoir qu'il s'agit de comparer une réalité visible avec une réalité invisible. Donc la comparaison colle plus ou moins, et elle colle plutôt moins que plus. L'exemple ici du semeur, donc voici le semeur est sorti pour semer, etc. Tout de suite, on comprend que la parabole, ça va un peu boiter, parce que la semence va produire une herbe ou un céréal qui va se faner, qu'on va récolter, mais si on ne le récolte pas, il se fane, il disparaît. Alors que de la parole de Dieu, il est dit dans l'épître, de la première épître de Saint Pierre, chapitre 1, versets 22 et 23, « Aimez-vous les uns les autres sans défaillance, engendrez de nouveau d'une semence non point corruptible, mais incorruptible. » Vous voyez bien que la parabole, ça boite. Parce que ça nous parle d'une semence corruptible et on la compare avec une semence incorruptible qui est la parole de Dieu vivante et permanente, nous dit Saint Pierre. Et ensuite il cite Isaïe, « Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme fleur d'herbe. L'herbe se dessèche, sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. » On n'a jamais vu une semence qui demeure éternellement. Alors, on voit bien que les deux trajectoires se ressemblent, mais que la réalité invisible dépasse de beaucoup tout ce qu'on peut imaginer à propos de la réalité visible. Alors, c'est comme ça qu'on doit entendre les paraboles, et c'est la raison pour laquelle Jésus, dans l'évangile de dimanche prochain, dit quelque chose qui sera comme un refrain, et dans l'évangile, et dans l'Apocalypse, « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. » On dit qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'agit des oreilles du cœur, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire va comprendre la parabole, celui qui ouvre toutes grandes ses oreilles dans un désir de comprendre les mystères du royaume, dans un désir de devenir disciple du Seigneur. Sinon, on ne va pas comprendre la parabole. Alors, il y a une deuxième chose que je voudrais commenter dans l'évangile de dimanche, parce que là, ça pose souvent problème. Voilà ce que dit Jésus. « Celui qui a, recevra encore, et il sera dans l'abondance. Celui qui n'a rien, se fera enlever même ce qu'il a. » Alors là, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, hein ? On croyait au contraire, « Bienheureux les pauvres, ils seront comblés, etc. » Et ici, « Celui qui a, il recevra », c'est un peu comme les talents, hein. « Celui qui n'a pas, ben, même ce qu'il a, hein, on va le lui enlever. » Alors, premièrement, « Celui qui a, recevra encore ». Celui qui a quoi ? Les oreilles
ouverte, puisque c'est une question d'ouverture des oreilles. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Donc celui qui ouvre grand ses oreilles, plus il agrandit sa capacité d'écoute, plus il va recevoir de grâce d'intelligence de la parole de Dieu et de grâce d'intelligence du mystère. Celui qui n'a pas les oreilles ouvertes, qui refuse d'être disciple, qui refuse de comprendre qu'il a des choses à recevoir du Seigneur, celui-là, même ce qu'il a, lui sera enlevé. Ce qu'il a, c'est-à-dire ce qu'il croit posséder, mais qui sont des richesses éphémères et qui passeront, donc ce qu'il croit posséder, lui sera enlevé. C'est le sens de cette formule qui paraît toujours étonnante du Seigneur. Autre chose encore choquante dans cet évangile de dimanche, c'est la citation du prophète Isaïe. Bon, la traduction a un peu arrangé les affaires, mais il s'agit de ceux qui deviennent durs d'oreilles, qui se sont bouchés les oreilles pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent. Sinon, je les aurais guéris. La traduction liturgique a bien arrangé les affaires. Il s'agit là aussi d'un avertissement pour les missionnaires. Ceux qui refusent d'ouvrir leurs oreilles, moins ils vont ouvrir leurs oreilles, plus la parole de Dieu va, d'une certaine manière, endurcir leur cœur. Au contact de la parole de Dieu, ils vont se fermer. Et ainsi, le Seigneur n'aura pas la possibilité de les guérir, parce que le Seigneur ne peut pas guérir ceux qui ne veulent pas être guéris. Et alors, dans la deuxième partie du texte, vous avez une très belle béatitude du Seigneur pour les disciples. « Bienheureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Ça revient à la béatitude qu'a entendue Saint-Pierre aux sources du Jourdain. « Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que tout ce que tu dis, si tu ne l'as pas trouvé tout seul, ça t'a été révélé par mon Père qui est dans les cieux. » Donc, « Bienheureux les yeux qui voient. » Vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent, ça veut dire bienheureux êtes-vous parce que vous vous êtes ouvert à la grâce d'en haut, que vous l'avez reçue et que vous l'avez mise à profit. Voilà tout ce que le Seigneur veut nous enseigner et c'est de cette manière qu'on doit recevoir, écouter la parole de Dieu. Sœur Claire, merci.